Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans cette série dédiée à la lecture française en CP pour remédier à la confusion des sons. Dans cette première partie, voyons ensemble comment ne plus confondre les couples de lettres inversées ion, ion, ion et oin. O-I-N, oin. Et ceci dans les syllabes et les mots. Voyons pour commencer le premier son, ion. I-O-N, ion. Comme le mot, une addition. A-D, ad. D-I, di. T-I-O-N, sion. Addition. Ou encore, une région. R-E, accent aigu, ré, G-I-O-N, gion, région. Passons au deuxième son, à savoir, ouin, O-I-N, ouin, comme une pointe, P-O-I-N, point, T-E, te, pointe. Ou encore, un coin, C-O-I-N, coin. Passons à la deuxième partie de ce cours avec l'entraînement des lettres, des syllabes et des mots. Je vous propose de prononcer les lettres que j'écris. À présent, prononcez les syllabes que j'écris. Et pour finir, prononcez les mots que j'écris.
Et pour terminer, je vous propose de trouver l'intrus. Vous avez 20 secondes. Si vous avez rencontré des difficultés avec ces exercices, retrouvez tous les cours sur les lettres de l'alphabet, les syllabes et les mots dans la lecture syllabique. Merci de partager et de mettre un pouce levé si vous avez aimé.